Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue chez les Chroniques du Commandeur. On repart aujourd'hui pour une nouvelle decktech en duel Commandeur justement, avec un invité qui n'est pas tout à fait nouveau, encore une fois. Aujourd'hui, on reçoit Nicolas Preil, qui, après Raffine, va nous parler de son deck de cœur cette fois-ci. Salut Nicolas. Salut Régène, je suis très content de revenir sur la chaîne des Chroniques. Et du coup Nicolas, pour ceux qui ne te connaisseraient pas encore, est-ce que tu peux te présenter et expliquer aux viewers qui tu es dans le milieu du duel Commandeur ? Alors moi, je me considère comme un grinder ou un builder en duel commander. J'ai notamment beaucoup travaillé sur Raffine, avant ça sur Jury qu'on va présenter aujourd'hui. J'ai aussi travaillé sur Guts, sur Gearson. Je fais pas mal de choses en duel commander, je fais beaucoup de tournois et je fais quelques résultats assez sympas pour l'instant. À côté, je joue en moderne, en pionnière. J'essaye de me qualifier aux prochains événements du LMS. Et sinon aussi, je suis le co-auteur, avec Jules Lestienne, d'une nouvelle revue sur le Duel Commander qui est nommée Ask the Gazette, et dont on va essayer de produire plusieurs numéros avant la fin de l'année. Du coup, je crois qu'aujourd'hui, tu es venu avec Jury. Ouais, Jury, c'est le premier deck que j'ai buildé en Duel Commander. J'ai eu la chance d'avoir un peu perfait avec. Alors Jury, c'est une 1 pour 2, qui gagne un compteur plus 1 plus 1 à chaque fois que l'on sacrifie un permanent qu'on contrôle. Donc ce permanent, ça peut être tant une créature qu'un terrain, donc ça marche très bien avec les fetch par exemple, ou alors des jetons comme des sangs et des trésors. Son second effet est un Death Trigger. Elle infligera autant de dégâts à n'importe quelle cible que sa force au moment de mourir. Donc on voit qu'on a accès à un removal en command zone, puisque une fois qu'elle sera détruite, elle pourra infliger un nombre de dégâts égal à sa force à n'importe quelle créature ou aussi un Planeswalker. C'est aussi un moyen de tuer l'adversaire, puisque si Jury devient assez grande, elle pourra infliger ses dégâts directement pour tuer l'adversaire. Ce que j'aime particulièrement dans ce deck, c'est que on doit résoudre systématiquement des puzzles. Une fois qu'on arrive en mid-game, on doit calculer à chaque tour si on peut gagner la partie. L'adversaire ne sera jamais à l'aise, parce qu'en fait, cette Jury elle peut grossir très très rapidement, obliger notre adversaire à prendre des décisions sous-optimales. Il aura du mal à anticiper le potentiel de dégâts qu'on peut lui infliger le tour suivant. Et par exemple, il va devoir utiliser ses removals sur des créatures qu'on va jouer comme des appâts. J'ai un très bon exemple. Contre Louis qui jouait Kharizef, j'ai joué Jury au deuxième tour, sans avoir aucun moyen de la faire grossir. Cependant, le potentiel de la carte l'a obligé à jouer un removal dessus, ce qui m'a permis de gagner en tempo, puisqu'il n'y a pas plus besoin de créatures, et que j'ai tué son one drop avec le trigger de Jury. Jury est un deck aggro qui profite de synergies sacrifice, et qui a en plus un petit aspect combo. Chaque mot est très important pour comprendre la construction du deck. Aggro signifie que l'on va chercher à mettre la pression à l'adversaire en curvant notre créature. On joue par exemple 14 one drop, 12 drop 2 et 11 3 drop. On privilégie les one drop qui ont 2 de force. Donc là on va parler de Goblin Guide, Zurgo, Vampire Lacérateur, Dire Grave Ghoul. Nos drop 2 quant à eux font partie des tout meilleurs. On pense à Kharizef, Loyal Apprentice, Dark Confident, Doty Volwalker ou encore Smuggler Copter. Quant à nos drop 3 et plus, outre les quelques staples comme Bonecrusher, Laelia ou Cave of the Chaos Adventurer, la nouvelle créature initiative, ils servent plutôt à appuyer nos synergies sacrifices. En parlant de synergies, les decks sacrifices cherchent à faire mourir ces créatures pour glaner un effet bénéfique comme piocher des cartes ou infliger des dégâts. Pour que cette stratégie fonctionne, il faut deux éléments. D'un côté des enablers et de l'autre des payoffs. Les enablers sont divisés quant à eux en deux parties. Les créatures récursives qui vont être utilisées comme de la chair à canon, et d'un autre côté, des moteurs à sacrifice pour faire fonctionner notre engine. Ces créatures récursives coûtent généralement entre 1 ou 2 mana. Ce sont le flux nécessaire à notre engine. Là, on parle de Bloodsoul Champion, Cult Constrict, Dread Wanderer, Bloodghast, Scrapheap Scrounger, Tenacious Underdog, Jadar. Il y a une carte qui ressort un peu de toute cette petite crap qu'on veut sacrifier, c'est le Gravecrawler. Il nécessite qu'on joue un nombre suffisant de zombies pour la faire fonctionner, mais
Une fois qu'elle est en jeu et qu'il y a un moteur de sacrifice comme Goblin Bombardement à côté, ça devient vite stupide. Et on peut le faire à volonté. En ce qui concerne les moteurs à sacrifice, on en joue deux types. Des éphémères ou des rituels qui vont nous permettre de sacrifier une seule fois une créature, comme Diabolic Tentant, Collateral Damage ou encore Deadly Dispute. Et des permanents qui vont nous permettre de le faire tant qu'on a des créas en jeu. Là, on pense à Carrion Feeder, Goblin Bombardement, Greeder Gargadon, Wastrider, Falconrath Aristocrat, Yawgmoth. Ces derniers sont évidemment les meilleurs. On note qu'aucun de ces moteurs de sacrifice demande de payer un coût en mana pour sacrifier une créature. Il ne faut pas oublier que notre deck reste un deck aggro, et que dépenser du mana pour sacrifier une créature, c'est une bien trop grande perte de tempo. Alors pour finir, au niveau des payoffs, le premier est évidemment notre command zone, Jury. À côté de lui, on joue Mayhem Devil, Judith, Mitouk Massacre, qui permettra de ou pinguer notre adversaire, ou des créatures à la mort des nôtres. Sinon, on joue Mina Reaper et Skullclamp, qui nous permettra de piocher des cartes. Le dernier point à aborder est l'aspect combo du deck. Il faut tout d'abord soulever que celle-ci n'en est pas une à proprement parler. Elle n'est ni infinie, ni déterministe. Mais elle permet d'infliger une grande quantité de dégâts directs, en fonction du nombre de permanents sur notre terrain. La carte qui permet ce gros burst de dégâts est Greeder Gargadon. Une fois que Jury est en jeu, nous allons mettre en suspension notre dinosaure et sacrifier un à un nos permanents pour que Jury grossisse. Lorsque nous n'avons plus de permanents sur le terrain, nous allons alors sacrifier Jury et infliger autant de dégâts que de permanents que nous avions sur le terrain à notre adversaire. Par ailleurs, si nous avions Harmonic Prodigy sur le terrain, chaque trigger de Jury sera copié. Cela signifie que pour chaque permanent sacrifié, nous aurons un marqueur supplémentaire sur Jury et que son effet de mort sera aussi copié. La force de ce plan est qu'il est très difficile d'interagir avec. En effet, l'adversaire ne peut répondre à la mise en suspension de Gargadon. De plus, si notre adversaire veut tuer Jury, en réponse à son premier trigger, nous pouvons continuer à sacrifier d'autres permanents pour que notre Jury grossisse et inflige suffisamment de dégâts pour terminer la partie. Autre point à savoir, sacrifier un permanent est un coût et retirer un marqueur un effet. Cela signifie que s'il y a par exemple 6 time counters sur Gargadon, mais que nous voulons sacrifier 12 permanents pour gagner la partie, nous pouvons continuer à sacrifier des permanents en réponse au trigger qui enlève le dernier marqueur temps sur Gargadon. Après avoir parlé du corps du deck, j'ai abordé les dernières cartes qui le composent. On joue assez peu removal, puisqu'on est le joueur proactif. C'est à nous de poser des problèmes à notre adversaire, et pas d'y réagir. Et par ailleurs, nos créatures ou nos cartes de synergie font déjà office d'interaction. Donc on a décidé de ne jouer que les meilleures. On parle de Fatal Push, Deadly Relic, Cutdown, Lightning Bolt, Chain Lightning ou Pyrokinesis. On préfère aussi que nos interactions puissent infliger des dégâts directs à l'adversaire. Encore une fois, pour augmenter notre potentiel de reach et terminer la partie alors que le board est bloqué. On a aussi la possibilité de jouer une Vraz dans notre deck, avec Mitouk Massacre. Sa force est que c'est une carte qu'on peut jouer proactivement, où on peut décider de détruire le board en faisant par exemple moins 1, moins 1, moins 2, moins 2 à toutes les créatures, ou aussi de la jouer pour X égale 0 et profiter de son effet statique pour tuer l'adversaire. Autre point très important de notre deck, les sorts de réanimation. Ils font partie de nos meilleures cartes parce qu'elles nous apportent un avantage de tempo énorme. Par exemple, dans des mirrors d'aggro, quand on peut se permettre de réanimer une furie pour détruire le board adverse, c'est souvent dévastateur. Ou alors, dans des match-ups plus lents, Unearth, un skélémental, est très puissant. Dans les match-ups contrôle, ça permet aussi de double spell assez facilement contre des decks qui vont jouer des contres. Une des dernières cartes que je voudrais parler, c'est Fireblast. C'est une carte un peu problématique et qui est assez discutée, puisqu'on ne joue pas assez de montagnes pour la faire marcher de manière consistante. Par contre, j'ai quand même décidé de l'incorporer dans la liste, parce que sa puissance, quand elle fonctionne, est trop importante. Une autre question qui m'a aussi été souvent posée, c'est est-ce qu'on veut jouer Blood Moon et Magus of the Moon? J'ai décidé de les incorporer à la liste, parce que même si notre mana base ne les supporte pas si bien, on a besoin de ces cartes ou Psywind contre certains match-up. Et une dernière carte que je vais mettre en avant, c'est Harmonic Prodigy. On sait très bien qu'elle est là pour pouvoir comboter plus facilement et mettre énormément de dégâts avec Jury, mais elle a aussi beaucoup plus d'applications cachées. Elle fonctionne par exemple avec Judith, avec Gut, avec Dark Confident, Season Pyro, Dragon Rage Chandler ou encore la fable aux The Mirror Breaker. Donc ça en fait une carte essentielle à notre deck. J'aimerais qu'on parle à présent, si tu le veux bien, d'une carte que j'ai vue dans ton deck et que tu n'as pas citée dans ton explication des cartes, qui est le Lifetime Pass Holder, le nouveau zombie paru dans le set Infinity.
En fait, premièrement, je le joue parce que c'est un zombie, donc c'est important pour Gravecrawler. Ensuite, c'est une 2-1 pour 1, parce qu'il y a un body qu'on veut jouer dans notre deck, et qui revient en jeu si on roll un 6 quand on visite une attraction. En ce qui concerne les attractions, je voudrais tester. Je ne sais pas à quel point c'est fort. Il y a quelques attractions qui sont vraiment puissantes, des cartes qui permettent de réanimer, d'autres qui permettent d'avoir des phases d'attaque supplémentaires ou de piocher des cartes. Je ne sais pas si c'est suffisamment fort. Mais pour l'instant, je voudrais tester la carte et je pense qu'elle a du potentiel. Très belles explications du deck, Nicolas. Est-ce que maintenant ça t'intéresserait qu'on aborde un petit peu les match-ups du deck, justement, pour voir un petit peu dans quelle configuration le deck s'en sort le mieux et dans quelle configuration il s'en sort le moins, il faut dire. Je vais commencer par les match-ups les plus compliqués. Et je vais commencer par Will Lucca, Lurus Breach. Ce deck écrase généralement les autres decks aggro parce qu'il interagit bien avec notre plan et qu'il nous impose une cloque rapide via la combo. En plus, notre deck ne peut pas trop interagir avec ce qu'il fait. Il joue énormément de removal et il a Will qui est utilisé comme un chump blocker, ce qui lui offre du temps. Et la seule chose dont le deck a besoin, c'est du temps pour pouvoir placer sa combo. Notre plan contre ce deck, ça va être d'être le plus rapide possible. Mais le souci avec ce plan, c'est que pour être rapide, on va devoir s'overextend, donc en jouant énormément de créatures, en remplissant notre board le plus rapidement. Ce qui signifie qu'on va s'empaler sur l'Evras. Et il en joue au moins 3. L'autre plan qui peut nous faire gagner contre un match-up, c'est Blood Moon. Mais ce plan, Blood Moon c'est une carte et l'adversaire joue des contres aussi. Et donc ça reste compliqué. Le deuxième match-up dont je vais parler, ça va être Grist. C'est aussi un match-up assez compliqué, puisqu'il y a une command zone qui bloque le board rapidement en créant une multitude de tokens. Et aussi, sa command zone peut interagir avec Jury. Grâce à son moins 2. Donc là, dans ce match-up, il faut vraiment bien calculer et voir ce qu'on veut faire. C'est un match-up assez compliqué à naviguer, et on doit voir en fonction de la partie si on veut attaquer Grist ou si on veut directement attaquer les points de vie de l'adversaire. Fury et Pyrokinesis vont être des cartes super importantes dans le match-up, puisqu'elles vont pouvoir wrasse le board de manière unilatérale et infliger des dommages à Grist. Souvent, quand on a Fury ou Pyro, on va alors essayer d'attaquer la Grist. Donc ça va être globalement Fury, je détruis deux têtes d'orques plus un token et je mets les derniers points dans Grist pour la tuer. Les autres cartes importantes aussi du match-up sont les pingers. Les cartes comme Goblin Bombardement, Judith ou Mayhem Devil vont être très très bien contre Grist puisqu'il a énormément de créatures qui ont un endurance. Enfin, comme Grist est un deck qui a tendance à swarm le board, c'est compliqué pour nous de passer tous les points via des phases d'attaque. Notre potentiel de reach va être un gros avantage dans ces parties. Généralement, les match-up contrôle sont des match-up positifs pour les decks sacrifices, puisqu'on arrive à leur imposer une pression rapide grâce à nos créatures de base curve, et qu'on a aussi une capacité à infliger les derniers points sans passer par le board. Les créatures récursives sont aussi très importantes dans ce match-up, puisque ça permet de battre plutôt assez facilement les contres. Par contre, il y a une chose à laquelle il faut faire attention, c'est que les decks contrôle ont tendance à jouer du blanc dans le format, ce qui signifie qu'ils jouent énormément de removal qui exile. On va alors essayer de pouvoir garder un moteur de sacrifice up pour pouvoir profiter de nos effets de mort. Le meilleur match-up de jury est sûrement Karizeth, ou les decks aggro en général. On est favorisé dans ces match-ups puisqu'on a premièrement un removal en command zone et qu'on a beaucoup de moyens de ping les créatures adverses. Jury peut aussi devenir grosse assez vite, dominer le board et être insensible à certains types de removal, généralement les removals rouges. Par contre, là encore, il y a un autre point à souligner, il faut faire attention à Light Pose. C'est un deck aggro mais un peu particulier. Ce type de deck Boggles cherchera à construire une grosse créature qu'on ne pourra pas gérer avec nos removals, puisqu'il va les protéger via des auras. Il va pouvoir, par exemple, donner protection rouge et noire à sa créature. Aussi, sa créature va être rapidement plus grosse que les nôtres, et elle va nous tuer plus rapidement. En ce qui concerne le match-up contre Raffine, on est plutôt bien placé contre la Sphinx. On lui impose une pression rapide, ce qui l'empêche d'attaquer pour mettre en place son jeu. Notre Ishe lui fait vraiment mal, puisque si Raffine peut stabiliser le board en mid-game, elle aura du mal à empêcher qu'on lui inflige les derniers points.
On doit cependant faire attention au removal joué par Rafinn, qui exile eux aussi puisqu'il joue l'homme du blanc, et surtout à part l'Axe-Wave, qui a un moyen pour Rafinn de renverser le match-up. Jury a un deck qui fonctionne bien dans une méta très large. Il a un plan de jeu proactif très puissant, et il a des armes un peu pour battre tous les decks. Si vous attendez une méta très très diversifiée, ou si vous ne savez pas ce que vous allez rencontrer comme deck, Jury c'est sûrement un choix très correct. C'est important au Duel Commander d'avoir des plans proactifs, et Jury a ce plan-là, donc je pense que c'est un très bon choix. Pour conclure, je pense que Jury a un deck qui est assez bien placé. Il peut battre Rafinn et les autres decks aggro, mais il a des grandes difficultés contre Grist et Breach. Je pense qu'actuellement ce n'est pas le choix optimal pour Perfect, mais ça reste un deck qui a du potentiel, et c'est sûrement un des meilleurs decks aggro avec Gut et Karizef. Abordons maintenant le cas du budget, si tu le veux bien. Je sais que c'est une partie un petit peu compliquée des gens qui viennent sur la chaîne, parce que en général tu fais ton deck le plus optimal possible, mais il y a des gens qui n'ont pas le budget malheureusement, mais qui voudraient quand même monter des decks, soit parce qu'ils découvrent le format, soit parce que justement ils n'ont pas forcément les moyens et qu'il y a pas mal de cartes un petit peu chères. J'en vois quelques-unes dans ta liste qui sont au-delà d'une trentaine d'euros quand même, c'est pas rien pour certains. Est-ce que tu penses que justement on peut enlever ces cartes un petit peu trop chères et les remplacer par d'autres cartes, forcément un petit peu moins fortes, mais qui permettraient à chacun de monter Jury tranquillement? De manière générale, c'est un deck, j'ai vérifié tantôt, qui coûte 700 euros environ, en comptant la Badlands qui en prend déjà 250 à elle seule. Et donc, pour se lancer dans le Duel Commander, je pense que c'est un deck qui reste assez budget. Il y a des cartes qu'on ne peut pas trop séparer. Par exemple, Deadly Relic, c'est une carte qui est trop importante dans le format, comme Yogg-Moth aussi, qui a un moteur de sac et c'est très important dans ce deck. On pourrait jouer des cartes un peu moins chères, comme Immerstone Predator, mais ça diminuerait la puissance du deck intrinsèquement. Je pense que pour se lancer dans le format, c'est pas si mal, parce qu'en plus, des cartes comme Fury, comme Yogg-Moth, ou comme les Fetch, sont des cartes qu'on va réutiliser dans d'autres formats. Et elles ont très peu de chances de baisser en coût, donc même si on achète ces cartes-là pour pouvoir jouer Jury, ce sera assez facile de les revendre si on décide de se tourner vers un nouveau deck. Les Talchim, je l'ai considéré la carte, mais le principal problème, c'est qu'on a un deck qui veut attaquer. Et donc, passer un tour pour engager ses créatures juste pour détruire une créature adverse, ça perd beaucoup de tempo, et donc on peut pas trop se le permettre dans notre deck. C'est toujours, en fait, c'est aussi compliqué de trouver un remplaçant à Mythic Massacre, il en existe pas. On pourrait jouer alors peut-être un drop 1 supplémentaire ou un drop 2 agressif, mais remplacer une carte par une autre carte qui a la même fonction, je pense que ça marchera pas. Parce que ben, la carte qu'on joue, elle est là parce qu'elle a un power suffisant. On veut pas les remplacer par une carte moins forte. Mais on pourrait les remplacer par des cartes qui ont un objectif différent par contre. Ça serait possible. Actuellement, il y a deux cartes que j'hésite à rentrer, qui sont Skyfly Shield et Immerstone Predator. Predator, c'est une vraie bonne carte qui pourrait rentrer dans le deck. Là, elle n'est pas jouée pour l'instant parce que j'ai préféré Cave of the Chaos Adventurer, qui est un no drop 4 et je peux pas en jouer tant que ça. Mais la carte a vraiment du potentiel. On pourrait jouer No drop 1, Gutterbones, qui a été cut récemment parce qu'il était un poil faible. Stromkirk Noble est une autre idée. Cemetery Gatekeeper, qui peut être très très bien dans certaines métas. Par exemple, si on attend beaucoup de joueurs de Breach ou de joueurs de Cities, Gatekeeper, c'est vraiment un très bon choix. On vient de voir les cartes que tu pourrais remplacer pour un côté budget, mais il y a des cartes aussi que tu as dû sans doute considérer qui ne rentrent pas dans cette catégorie. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? On peut commencer par Chandra Acolyte of Flame. C'est la Chandra 3 qui fait 2 tokens élémentales 1-1 East et qui permet, avec son moins 2, d'exiler un sort de son cimetière pour pouvoir le caster, enfin un instant ou un sorcery. Cette carte, elle n'est pas jouée parce que, premièrement, elle est double rouge. Et donc, comme on l'a vu dans la liste, on joue Gravecrawler. Gravecrawler, ça demande de jouer beaucoup de zombies. Donc, j'ai décidé de jouer une base noire. Et ensuite, j'ai remarqué au fil de mes tests qu'on la défendait assez mal, en fait, ce Planeswalker. Si on le jouait tour 3, il se faisait très vite attaquer. Il pouvait pas faire grand-chose. Et c'était aussi une carte qui était uniquement bonne si on avait déjà des payoffs en jeu. Donc, par exemple, une carte comme Mayhem Devil ou comme Jury. La carte, elle était assez peu autonome, et donc j'ai décidé de la cut finalement. On peut parler aussi dans les Landes d'Urza Saga. J'ai l'impression que de manière générale, Urza Saga est une carte qui est beaucoup trop jouée en Duel Commander. Parce que, ok, dans les formats construits en moderne, quoi, c'est trop trop bien. On joue tout plein d'artefacts dans les decks qui jouent Urza Saga, et ça fait des grandes constructes. Ici, en Duel Commander,
Les constructs qu'on propose, elles vont être globalement 3-3, 4-4 grand maximum. On veut pas dépenser 3 mana pour avoir une 4-4, c'est pas assez bon. L'autre spécificité du Dual Commander aussi, on veut tout le temps pouvoir recaster notre Command Zone. C'est important d'avoir beaucoup de mana. Et Urza Saga est un land qui va se sacrifier au bout de quelques tours. Et donc c'est pas ce qu'on veut en fait, je pense, dans le format. On a réfléchi à la jouer parce qu'elle allait chercher Skull Clamp. Mais je pense qu'aller tutoriser Skull Clamp avec un délai de 3 tours, c'est pas bien. Ça voudrait dire qu'on joue cette Urza Saga très tôt dans la partie, donc on perd un land très tôt dans la partie pour pouvoir profiter d'une carte qui va nous faire piocher. Donc il va nous faire piocher beaucoup d'actifs, mais on aura moins de land pour pouvoir les utiliser. Il y avait une autre carte qui était jouée parce qu'on pouvait la tutoriser sur Urza Saga, c'est Zuranorb. Zuranorb, c'est un artefact qui coûte 0 mana, qui permet de sacrifier un land et de gagner 2 points de vie. On peut donc sacrifier tous nos terrains pour pouvoir faire grossir Jury et infliger beaucoup de dégâts. Le souci que j'avais avec cette carte, c'est qu'elle est bien uniquement quand tu as déjà un moteur de sacrifice sur le terrain. Elle ne peut pas elle-même sacrifier Jury. Ça nécessite qu'on ait cette Zuranorb et qu'on ait en plus un moteur de sacrifice pour détruire Jury et infliger les derniers dégâts à notre adversaire. Au final, j'ai préféré uniquement jouer Greater Gargadon comme carte de pseudo-combo et me passer de cette Zuranorb. J'ai l'impression qu'on a fait le tour de cette deck tech. Merci encore une fois Nicolas d'être venu sur le plateau des chroniques pour nous parler de ton deck de cœur. Avec plaisir, c'est toujours un honneur d'être invité sur les chaînes des chroniques. Eh ben, plaisir partagé évidemment. Merci encore à toi. Si les gens ont des questions, en plus de les poser en description de la vidéo, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver Nicolas? Est-ce qu'ils peuvent te contacter? Et où peuvent-ils le faire? Ah, ils peuvent facilement me retrouver sur Discord. Et généralement, je suis sur le Discord du Podcaster Mage ou de Magic Biquette. Merci encore une fois Nicolas, on espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas en commentaire à nous faire des retours sur celle-ci et également à nous dire s'il y a des généraux que vous souhaiteriez voir et on essaiera de faire le maximum pour pouvoir vous les présenter dans une prochaine vidéo. C'est tout pour nous en tout cas, merci encore une fois de nous avoir écoutés. On va vous faire de très gros bisous et on va vous dire à très bientôt pour une prochaine Deck Tech chez les Chroniques du Commandeur. Bye bye à tous! Au revoir tout le monde!